Bonjour tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo Diamond Painting, Unboxing Diamond Painting. Alors aujourd'hui, je vais vous présenter un DP que la boutique E Diamond Painting m'a gentiment envoyé, que j'ai choisi. Ils m'ont demandé de choisir un Diamond Painting et ils m'ont demandé gentiment si ça ne me dérangeait pas de choisir sur le thème de Noël. C'est l'époque, on y arrive. Donc j'ai dit ok. Bon, malgré que c'est vrai que sur Noël c'est très rare que j'en prends, hein, mais bon, là ils m'ont demandé si ça ne me dérangeait pas, j'ai dit non. Donc j'ai choisi sur le thème de Noël. Donc voilà, j'ai reçu dans une petite pochette à bulles. Ça n'a pas mis longtemps, hein, ça a mis 10-15 jours, même voilà. Entre 10 et 15 jours, je vous remettrai à peu près le temps que j'ai mis pour recevoir. Alors, comme d'habitude chez E Diamond Painting, hein, vous avez déjà vu des unboxings que j'ai fait avec eux. L'envoi est nickel, le DP est nickel. J'ai aucun souci là-dessus pour le moment avec eux. Ça marche toujours bien. Alors là, j'ai choisi un DP de taille 40-50. Parce que bon, sur Noël, il y a quand même beaucoup de détails. Donc j'ai dit, on va prendre un peu plus grand. Et il y a 24 couleurs. Voilà. Donc comme d'habitude, je vais vous montrer le dessin après. Et là, je vais vous montrer... d'abord les perles. Alors d'abord, comme d'habitude, on a le petit kit qui va bien et ce sont des perles rondes. Voilà, donc ce qui est bien, elles sont en sachet zippé, donc ça j'aime bien parce que au moins quand on a fini son kit, on remet ses perles dans le sachet zippé, on les met de côté et puis voilà. Vous n'avez plus qu'à remettre une petite étiquette dessus pour mettre la référence. Puisque là, il n'y a pas les références dessus. Il y a juste le numéro de à quoi ça correspond. Donc, vous remettez une petite étiquette sur votre sachet pour avoir la référence. Et puis c'est tout. Voilà. Donc, comme ça, pour un prochain kit où il vous manquerait des perles, vous savez à quoi ça correspond. Ou si vous voulez faire... une petite créa avec des perles qui vous restent, pourquoi pas. Allez, je vous montre les perles que j'ai eues pour ce kit. Voilà. Il y a du gris. Encore un petit gris. Le petit gris, c'est pas l'escargot. Hein. Là, un gris clair. C'est bon les escargots. À bientôt en manger, Noël. Un bleu. Elle parle de bouffe pendant que vous montre le DP. Ouais, moi, je mange des escargots que au moment des fêtes. Je suis sûre qu'il y en a qui sont derrière leur écran. Bah, les escargots. Miam, miam. Notre gris. Ça y est, je suis folle. Un bleu. Un bleu marine. Et voilà Fifi qui arrive. Alors, il y a beaucoup de gris. Hein. Gris. Ah, ça y est, ça change. Un marron. Un plus clair. Un encore plus clair. Un bordeaux. Là, c'est... un vert foncé.
Oh, un gros gris. Là, c'est plus un petit gris, c'est un gros gris. Mais oui, je m'occupe de toi, t'inquiète pas. Alors là, c'est un marron. Là, mais oui, Fifi. Gris très foncé. Attends, mes mères. Mais oui, bah ça y est, je m'occupe. Ah, bah voilà. Un bleu. Tu veux des câlins? Elle veut des câlins. Mmh, mon inamour. Petit amour à maman, ça. Bleu marine. Marron, ouais. Beige rosé et un bleu. Attends, ma maman. Ah, voilà. Donc, eh bien, il n'y a pas beaucoup de rouge pour un truc de Noël. C'est vrai qu'il n'y a pas beaucoup de rouge pour un truc de Noël. Mais bon, il y a ça. Donc, c'est normal. Alors, vous allez voir pourquoi il n'y a pas beaucoup de rouge. Alors, je vous ai dit, c'est un 40-50. Et j'ai pris un peu quelque chose qui change que des Pères Noël d'habitude, hein, les gros Pères Noël avec tous les jouets, le sapin que l'on voit partout. J'ai pris celui-ci. Voilà. Avec les nounours blancs. Voilà, avec les ours blancs. Il y a une chouette blanche. Enfin, il n'y a pas de blanc, hein, donc ça va être sûrement... ça va plutôt être dans... Voilà, ça va être le gris clair comme ça, je pense. Voilà. Ah, Fifi, tu peux baisser ta queue? Merci. Voilà, et vous voyez, le Père Noël n'a pas beaucoup de rouge. Il a aussi beaucoup de couleurs très claires. Dans son vêtement, sa barbe, bien sûr. Voilà. Il y a les petits oursons, là. Là, il y a une grosse fifille. Et qu'est-ce qu'il y a d'autre comme bébête? Ah, là, il y a un petit renard blanc. Ouais, il y a un petit renard blanc. Voilà. Vous voyez, ça change, je trouve, que de tous les Pères Noël que l'on voit d'habitude, avec tous les cadeaux, les enfants, le sapin, voilà. Les lutins. Je trouvais celui-là très joli. Je ne sais pas ce que vous en pensez. Ça change un peu de l'ordinaire. Voilà. Dites-moi ce que vous en pensez. Donc, voilà ce que j'avais à vous montrer aujourd'hui. Donc, il y avait un kit. Hein, quand Diamond Painting me demande de choisir un kit, ben c'est un kit à chaque fois. Mais bon, pourquoi pas. Au contraire, hein, de toute façon, le principal, c'est d'être... je suis toujours en partenariat avec eux, mais c'est toujours régulier. Et donc, voilà. Et je trouve que c'est une bonne boutique. De toute façon, quand je vois que c'est une boutique qui est bizarre ou quoi, je n'accepte pas. Voilà, je vous le dis tout de suite. J'ai eu le tour une fois avec une boutique... qui m'avait demandé un partenariat, puis sur le coup, j'avais dit oui. 6 mois après, j'avais toujours pas de nouvelles. Hein, donc depuis ce jour-là, bon, maintenant, quand je vois des boutiques, je me renseigne d'abord sur les boutiques que je ne connais pas, les nouvelles. Je cherche sur Facebook, sur Internet, tout ça, puis quand je vois que ça fonctionne, là, je dis oui. Que je ne vais pas vous présenter des boutiques qui ne fonctionnent pas ou qui ont des problèmes, qui ont des mauvais avis clients. Ça ne sert à rien. Hein, parce qu'après, vous allez me dire, Edith, tu nous as présenté une boutique, mais bon, il y a plein de problèmes. Je ne reçois pas mes commandes, ceci, cela. Donc... Non, 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 non. Pas ça chez moi. Donc, voilà. Comme d'habitude, je vous remets en barre d'infos le lien de la boutique A Diamond Painting. Je vous remets le lien du kit pour le retrouver directement. Mais regardez-moi ça. Elle a plein de cochonneries. Là, elle est sur mon bureau, dans ma pièce. Et comme c'est le bordel intégral dans ma pièce,
C'est puis Hiroshima, hein, là, en ce moment, c'est... Il y a Chouchou qui est monté dans ma pièce cette semaine, je ne sais plus pourquoi faire. Il me fait, mon Dieu, dis, c'est quoi ta pièce? Ben oui, ben, faut que je range. Mais je ne sais pas par quelle boule prendre, là, cette fois-ci. Là, je ne sais vraiment... Attends, je vais mettre ça plus loin. C'est un pot d'eau avec mes pinceaux. Je ne sais vraiment pas par quel bout prendre pour ranger. Parce qu'entre les cartons, le carton du cartonnage, les sacs des filles qui achètent mes bricoles, j'ai encore des bricoles à vendre, je ne m'en sors pas. Je ne m'en sors pas. Là, il va falloir que je fais un gros un gros ménage. Allez, j'espère que cette petite vidéo vous aura plu, que ce petit kit que je vous ai présenté vous aura plu également. N'hésitez pas à me le dire en commentaire. Et nous, on se retrouve très rapidement pour de nouvelles vidéos, nouvelles aventures et plein de belles choses comme d'habitude. Je vous fais des gros bisous. Fifi aussi. Fifi, tu fais un gros bisou. Fifi. Fifi. Elle fait la sourde hein, quand elle veut. Fifi, un gros bisou. Tu fais un gros bisou aux copines. Oui. Non, mords pas. Allez, je vous laisse. Je vous fais des gros bisous. Fifi vous fait des gros bisous aussi. Et on se retrouve tous. Et on se retrouve très bientôt. Voilà. Pff, je ne sais plus. Allez, bisous, bisous. À bientôt.